matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême, oui mais voilà, il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas. Mais son papa qui se trouvait là a dit, puisqu'elle ira en classe ici à Cloche et les Bécasses, moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma bécassine qui m'emmène. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Un soir Bécassine est partie pour le pensionnat, aider les enfants pour les vacances à Étretat. Je m'ennuyais d'elle, on s'écrivait, oui mais voilà, ce n'était plus du tout comme autrefois. Quand je partais avec elle à la ville, dans son automobile, dans son avion, faire des loopings au-dessus des îles. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine est la cousine. Marie qui louche m'amuse beaucoup. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer. Je retrouve ma bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine est la cousine. Marie qui louche m'amuse beaucoup. Ensemble.